Salut tout le monde, c'est moi, c'est le Québécois, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars The Old Republic du côté lumineux de la Force. Je tiens à m'excuser pour l'horreur qu'il y avait sur les autres. Enfin, il l'a plus ou moins en haut en ce moment de la vidéo, comme vous le voyez, j'imagine. Là, je vais avoir des petits problèmes avec les vidéos. Là, je vais réussir à faire quelques vidéos, plusieurs, de plus de 30, de plus de 10 minutes. Mais après un certain temps, il va falloir que je me remette à... Je vais faire comme j'avais fait avec ce personnage-là à un moment. J'avais sorti que des vidéos de 30, d'une de 10 minutes à... Ben, je crois, en fait, que je vais devoir faire ça. Je suis pas sûr si je vais pouvoir faire quand même plus ou moins. Dépendamment de comment on va faire jouer avec la version d'essai du Action. Même que j'utilisais votre MP3 en version d'essai, je vais pas faire fonctionner. Donc, verrez bien. Je fais une ellipse de seconde, je vais essayer de régler un truc. Voilà, j'ai pas réussi vraiment à régler mon problème, c'est que moi j'ai ici, j'ai un petit truc qui monte le temps et tout ça, mais c'est parce que c'est juste au-dessus des missions, donc je vois pas trop ce qui est écrit, mais bon, c'est pas très grave, c'est qu'un petit détail, putain, mais j'allais dire aussi que, en fait, dans les vidéos sur lesquelles je pourrais plus faire le montage, c'est surtout qu'il n'y aura pas l'intro. Comme sur les autres, en fait. Je m'excuse aussi pour l'écho. Hein. Je sais que ça s'entend beaucoup. J'ai pas trop le choix pour l'instant. Je suis juste dans le salon parce que, encore une fois, j'ai toujours pas l'ordinateur que je voudrais avoir. Faites preuve de respect. Quelques minutes, la grandeur dans se dresse devant moi. En fait. Je garde la première lame. Elle repose avec les cendres de son créateur, le maître des armes. Je dois prendre la première lame. Les Jedi en ont encore besoin. La première lame. La première arme Jedi. C'est elle qui a inspiré les sabres laser. Des millénaires ont passé. Il ne reste que la poignée de la première lame. Je n'ai été dérangé qu'une seule fois. Rajivari est venu. Il s'est montré digne d'elle. Je l'ai autorisé à prendre la poignée. Ensuite, il l'a ramenée. Pourquoi Maître Rajivari aurait-il pris la poignée pour la ramener ensuite? Cela ne me regarde pas. Pour prendre la poignée, il faut en être digne. La philosophie du combat Jedi, vous devez la comprendre. Le Maître des Armes a laissé des défis, ici, à Calette. Des droïdes d'entraînement pour tester ses élèves. Trouvez-les. Vainquez. La poignée de la première lame attend. À savoir que je connais pas totalement l'histoire avec ça, j'ai vu quelques moments parce que j'ai vu quelques d'autres que je connais jouer et j'ai vu un peu quelques parties, mais c'est tout quoi. Je connais pas en fait l'histoire avec ces personnages là au complet. Ah, et vous aurez peut-être remarqué aussi, je sais pas, que les graphismes sont vachement mieux, juste pour faire la comparaison. On est en élevé, on jouait en intermédiaire, voire même bas avant, donc c'était vraiment dégueulasse. Avec l'ordi que je devrais être capable de m'acheter dans quelques mois, je devrais même être capable de le mettre en ultra sans problème. Que ça tourne et ça en peut juste à la perfection. C'était ça même, il me semble que j'en souviens. Ouais, c'est ça. Il faut de la viande. Bon. Nourrir les bébés. Bébé carnivore. Le nom de la mission.
Envie de faire ça niveau 8 en fait.
Passe. Normalement, ça devrait être un bon ami qui est vraiment à gauche. Ok. Je trouve de la viande de guide. Guide. Je sais pas comment ça se fait. Ah, voilà, il y en a plein là, des trucs. J'en ai, s'il y en a une. Télémétrie reçue. Tous les droïdes témoignent de vos performances au combat. Satisfaisante. Dans ce cas, je souhaite prendre la poignée de la première lame maintenant. Prenez la poignée. Traitez-la avec respect. Combattez avec honneur. Je vais me servir de cette poignée pour faire mon sabre. Maître Yuan, j'ai découvert la poignée de la première lame, un prototype de sabre laser appartenant à un certain maître des armes. On dirait que des données y ont été gravées. Bien sûr. La voix de la première lame. Rajivari a fait de l'arme légendaire notre guide. Mais bien sûr. La force est certainement avec toi, Padawan. S'il te plaît, amène-moi tout de suite la poignée au temple. Je vais essayer d'accéder aux données. Ok, il va falloir que j'aille là d'abord. Après, je pourrais prendre un taxi si vous me plaisez. Là, c'est un endroit pour. Je vais aller là, c'est pas bon. Ha ha ha!
Ok. On va lui parler. D'abord, on va là. On va très bien y aller en passant par là. Bien. Oui, mais j'ai pas envie de passer par là. De l'autre côté. Allez, paresse. Voyage rapide. Ainsi que le ça ici, il fallait juste rentrer un code sur le code promo sur un endroit voulu. Quoi, chèque de 3 de décoration, possession maximale de cette décoration atteinte. Sérieux? J'en ai trop. Bon, tant pis. Je donnerai. Ça, je peux pas pour l'instant faire grand chose avec. Ça, c'est lié. Donc, en fait, au lieu de les conserver, je vais m'en débarrasser. Je vais garder juste celle-là, vu que c'est la celle de la République avec ses personnages. Ça, je vais débloquer. Donc, voilà. Kadumaji, Taus Hawaupa. Oi, Grani Tampio Dume Donki. Wata Botenya Nucha Nubota. Kitrita Nimni Tanuv. Kapola Kupi de Opra. Anquas Nimna Matasungri. Wonka Tuske Uwana wa. Zuzaneko Higa Danoya. Tocha Nanga e Ma Chai. C'est tout simplement fascinant. Grula woska kwa bobana. Chichawa una chichitua. Vifa karibu utachuba na ganga. Krispa doe kanki kunke gupa. Do bata ji moa atima. Les droïdes se sont plantés. De toute évidence, le côté lumineux a survécu à ces armes exterminatrices. Qui m'a tanta chiroule ya? Noé ayuya tia chavopa. Pugno blasto wonkiti ato conchi. Hai boca dunka wona wanga. Voilà, tout droit, hein, machin. Là y'a un vendeur, je vais vendre tout mon bordel. Ce qui met ça, ah, mais ça. Il ça vaut rien, donc ça se vend pas. Ah, j'ai ça. Ils sont vachement meilleurs. Pika. Voilà. Il y a le tenu complet de pilote de la République. Ah, non, attends. Le speeder. Salutations. Et on va retourner au vous temps. Avez accès aux itinéraires suivants. Ça devrait quand même être vachement plus beau. Le jeu devrait quand même plus joli. Enfin, j'espère que ça lag un petit peu, j'ai l'impression. Moins
déblocation, c'est des déverrouillages uniquement pour chaque personnage. La force teste mon engagement à aider les êtres sans défense de ce monde. Tu as pris la bonne décision. Laisse-le avec moi. Je consulterai le conseil pour décider quoi faire. Niveau 9. Poignée 44. Ah, j'ai entendu ça. Ah, là, en théorie, j'ai pas rien du truc de l'unique. Et je porte tout ce stuff. Que j'ai pas eu dans un coffre, dans la boîte aux lettres. Donc, c'est bien celui-là. Oh, direct en arrivant. Rebonjour, Padawan. Content de te revoir en forme. Maître Siyo Bacard, je t'ai accueilli ici la première fois. Ça date, mais je vais dire que je m'en souviens. L'accueil d'un membre du conseil ne s'oublie pas comme ça, Maître Siyo. Intéressant. Le protocole n'a jamais vraiment fait partie du curriculum de Yuan. Voici Maître Jari Kedan, un autre membre du conseil. Yuan nous a parlé de Nalon Ralok, le pèlerin à la recherche des secrets de Rajivari. Elle prétend également que la force guide ta formation. Cela s'est déjà vu, mais... Il est rare que la force détermine la formation d'un padawan. Yuan semble convaincu, mais un Jedi ne se fie pas aveuglément à la force. Le jugement et la discipline doivent tempérer cette foi. D'abord, elle accueille ce Trandoshan dans le temple. Et maintenant ça, elle s'éloigne de plus en plus du droit chemin. Que penses-tu de l'affirmation de Yuan, Padawan ? Je sais ses croyances, ce n'est pas à moi d'en juger. Je pense qu'elle se trompe. Ce n'est pas à moi d'en juger. Je suis le Padawan de Maître Yuan. Ce n'est pas à moi de la juger. En effet, c'est la responsabilité du conseil. Le conseil a décidé d'accepter l'avis de Yuan. Pour l'instant. Oh, c'est la tranquille quand Cependant, même. Les dangers qui t'attendent sur cette voie m'inquiètent. Trouver le puits de Rajivari avant Nalon Ralok est important, mais ta sécurité aussi, Padawan. Sois prudente. Bon, d'accord. Là. Là, avec le Trandoshan. Ils ont une religion un peu étrange, donc mettre des points, c'est un peu bizarre. Mais bon. L'hologramme de Rajivari prouve que la même technique existait. Tu ne vois pas? Cela met fin à ce débat idiot une bonne fois pour toutes. Skocharat mas kosla, smetod tradis, utapolua, yolska popre. M'énerver? Je ne suis pas prête à... Ah, Padawan. Encore un peu et nous serions partis à ta recherche. Je croyais que tu avais encore croisé Nalon Ralok. Comment se passe ta chasse? Ouais, c'est moi. C'est bizarre un peu. On l'avait déjà vu? Je me souviens plus. Ça se peut. Tu as dit que tu avais trouvé la première lame. Peut-être disparu. Ou sa poignée, tout de moins. Non, c'est à moi. Est-ce que je peux voir? De toute façon, j'ai pas eu le choix. De toute façon, je l'ai ramené quand même. Ah, les plis dans le métal. La cellule d'énergie. Des techniques oubliées. Nos sabres laser ont commencé ici avec ça.
J'imagine que ces gravures sont des informations cryptées, Maître Yuan. Et l'intérieur a également été modifié. Peut-être pour en contenir davantage. J'ai déchiffré un deuxième indice dans l'hologramme de Rajivari. Pour trouver le puits de Rajivari, il faut emmener cette poignée dans une grotte des montagnes titoniennes. L'hologramme dit que les fondateurs ont médité dans cette grotte. Ils sont devenus le Conseil Jedi. Tous nos codes, nos lois et nos principes trouvent leurs origines dans ces méditations. Il nous suit. Je veux pas faire l'innocent, je sais très bien que c'est le premier partenaire du jeu avec ce personnage-là, mais... Je m'attendais pas à ce que ce soit là, en fait. Je suis désolé, Padawan. Le dévouement de Kaizen pour la chasse est assez égoïste. C'est ça, c'est toujours. Peu importe. J'accepte volontiers son aide. Bonne chance et sois prudent. Besoin d'un de plus. L'hologramme n'a rien dit sur ce que ces grottes pouvaient cacher. Récompense fournie. On en prend les deux. L'autre il est vraiment nul. Je vais le trouver, je vais l'avoir peut-être là-bas en fait. Mais n'allez pas croire que vous êtes invincible. Comme vous, mon Padawan était très doué. Elle était résolue, sérieuse. Un tel potentiel. Elle aurait bien servi l'ordre, mais les déchiqueteurs ont mis fin à sa vie. C'est pas toi. J'ai ressenti ces derniers moments. La terreur. L'agonie. Puis plus rien. Je compatis. Merci. Je suis en train de prendre des mesures pour éviter que d'autres Jedi ne partagent le sort de mon Padawan. Si nous comprenons la culture des déchiqueteurs, ce qui motive leur violence, il nous sera alors peut-être possible de vivre en paix. Malheureusement, nos émissaires subissent constamment leurs agressions. La dernière équipe a pris la fuite, mais a remarqué d'étranges idoles dans le campement des déchiqueteurs. Ces idoles alimentent-elles la colère des créatures ? Que gagnent les déchiqueteurs en les vénérant? Pour le savoir, une personne très courageuse doit examiner ces idoles. C'est ça. Les motivations des déchiqueteurs seront bientôt connues des Jedi. J'aurais aimé vous épargner les déchiqueteurs, mais cette tâche est trop cruciale. Étudiez les idoles et notez vos trouvailles. Plongez-vous dans ce qu'ils estiment le plus et ne ratez aucun détail, quel qu'il soit. Lorsque vous aurez terminé, donnez-moi les données ou donnez-les à Maître Wix, mon allié dans cette cause. Il s'occupe des pèlerins au village Caligori. Eh bien, en plus de ça, c'est très bientôt la fin de la vidéo, donc... c'est la fin de la vidéo, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à commenter, tout... Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !